Vidéa en sortant de la scène du café de la gare où j'ai joué La Péril Mortel avec des passages par rapport aux dernières actualités, notamment sur la réforme des retraites, des violences policières, etc. etc. Et je voulais en profiter pour vous parler de Santana Chouchnia. Alors, lorsque je joue Compte à rebours, une samedi sur deux à 14h30, ou à chaque fois deux jours après, les lundis à 19h, comme ce soir à La Péril Mortelle, elle est en régie et c'est elle aussi qui vous accueille avec un grand bonsoir et bienvenue. Pour celles et ceux qui sont déjà venus. Et en fait, Santana Chouchnia, c'est d'abord et avant tout une comédienne, danseuse, aussi autrice. Et à tous ses titres, d'une part, on va jouer ensemble. Donc, vous savez, j'avais déjà accueilli une invitée d'honneur qui était la peintresse et conteuse Amande Art. C'était début février. Et là, la 13 mai, eh bien, nous allons nous partager la scène pour des comptes à rebours spéciales avec Santana qui va jouer un des textes qu'elle a écrit et danser aussi. Et donc, on va se partager la scène. Donc, ne manquez pas, c'est très exceptionnel. Et puis, surtout, cette semaine, samedi 8 avril, à 14h30, au Plateau Sauvage, elle va jouer une pièce de théâtre qui s'appelle « Je serai une adulte sauvage ». Un texte et une mise en scène de Cécile Gindre. Et donc, c'est une seule en scène. Il y aura aussi un musicien, mais Santana jouera toute seule, et c'est une pièce qu'elle me tarde énormément de voir. Elles ont travaillé incroyablement. C'est une pièce féministe, une pièce enfantiste aussi, qui remet le monde à l'endroit et qui va aider à comprendre à quel point c'est aux adultes d'être responsables. Quoi que veuille ou ne veuille pas les enfantes et les enfants, et qui va montrer les mécanismes d'emprise et tout ça d'une manière aussi très très incarnée du côté des victimes, résolumente, sans pour autant utiliser les mots des agresseurs ou décrire des violences ou encore souffrir sur scène, etc. Pas du tout, donc pas besoin de trigger warning. Et donc on en ressortira encore plus outillé. Donc je vous encourage à venir. Je serai une adulte sauvage au Plateau Sauvage, donc c'est dans le 20e, samedi 8 à 19h30. Et d'autant plus que Santana, c'est énormément grâce à elle que je suis au Café de la Gare. Depuis 5 ans, je pense qu'on a commencé les premières exceptionnelles. Parce que donc elle travaille là-bas, elle fait partie de l'équipe. Elle fait un superbe travail là-bas. Et elle était déjà féministe et engagée, évidemment. Et elle a vu un jour, lors d'un festival, elle a vu Compte à rebours. Et on s'est revus, un peu par hasard aussi. Et puis c'est comme ça que ça a commencé, que j'ai fait d'abord une exceptionnelle, puis deux, puis cinq, puis dix, et puis finalement de cette récurrente toutes les semaines depuis le mois de novembre. Donc c'est une de ces femmes, et peut-être professionnellement la femme à qui je dois la plus. Et c'est vraiment une grande artiste. Je vous encourage à venir. Moi, je serai là, évidemment, samedi. Je vais pas manquer ça. J'ai même vraiment, vraiment hâte, vraiment hâte. Alors, je vais vous montrer l'affiche. Et si j'y arrive, je vous ferai une vidéo pour vous raconter cette extraordinaire tournée qui, en fait, est étendue au-delà du mois de Vénus, puisqu'elle a commencé déjà en février et elle continue là en avril. Ah, encore des mois qui vont énerver les mascouilles. Mais donc, pour vous dire les prochaines au Théâtre du Café de la Gare, donc, samedi 15,
pour Compte à rebours et lundi 17 avril pour La Péril Mortel, ce sera des spéciales enfantisme, donc droits des enfants et des enfants et contre la misopédie. Si vous ne savez pas ce que c'est, d'autant plus une bonne raison de venir. Ensuite, elle y aura, je vais faire une petite pause pour partir un peu me reposer. Et ensuite, on reprendra chaque semaine. Donc samedi 13 à 14h30, Compte à rebours cette fois donc avec Santana Chouchnia. Ensuite, lundi 15, ce sera une péril mortelle spécialement sur les dernières actus. Ensuite, donc là nous sommes en mai. Hein. Ensuite, samedi 27 mai à 14h30 toujours, ce sera Compte à rebours avec une très spéciale en anglaise. Oui, parce que figurez-vous que Compte à rebours, ça y est, existe en anglaise. J'ai eu la chance et l'honneur immense de jouer pour des femmes d'une entreprise. Il y avait des femmes du monde entier, un peu plus de 100 femmes, d'Inde, un peu partout en Europe, d'Australie, des États-Unis. Enfin, c'était extraordinaire. Et donc, énormément d'anglophones. Et c'était Compte à rebours et je l'ai faite. Et ça s'est très bien passé. C'était une belle défi. Et donc, je me dis, mais j'ai trop envie de vous partager ça parce que c'est génial. Et donc, ça m'a énormément amusée. Enfin, c'était un travail de ma boule, hein, mais là qu'elle est là. Donc, je vais vous faire. Ce sera donc la samedi 27 mai. Donc, elle y aura des personnages en française et des personnages en anglaise. Donc, ce sera en franco-anglaise, anglo-française, je ne sais pas comment on dit. Et donc, venez si vous parlez anglaise, évidemment, parce que ça résonne autrement, c'est intéressant. Amenez vos amis qui ne parlent pas française et qui parleraient anglaise. Et aussi, même si vous ne parlez pas super bien anglaise, déjà, elle y aura des personnages en française. Et puis, en plus de ça, justement, si vous avez déjà vu la pièce, même si elle change tout le temps, mais voilà, s'il y a certains personnages que vous connaissez déjà bien, là vous allez pouvoir faire des ponts, enfin l'entendre autrement, et c'est assez marrant. Et donc forcément, je revisite les chansons de Disney, mais avec les versions anglaises. Enfin non, mais du coup, je me suis avalé énormément de chansons des vieux Disney. Ah là là, sortir une sacrée couche hein, quand même. Ensuite, lundi 29 mai, 19h, encore une péril mortelle sur les dernières actus. Et puis ensuite, parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me demander ça, je vais refaire des spéciales antispécisme, samedi 10 et lundi 12 juin. Donc pour Compte à rebours la samedi et la péril mortelle la lundi. Et puis ensuite, ce sera pour samedi 24 juin et lundi 26 juin, donc les dernières avant l'été. Ensuite, il y a une pause estivale. Ce sera donc spécial estival, spécial conte d'été, pour vous souhaiter de bonnes vacances en matriarcat pour la péril mortelle. Et on ouvrira tout ça sur l'écoféminisme pour rester dans un trip... nature, vacances et canicules, donc on parlera forcément de climat, réchauffement climatique, écologie, donc écoféminisme, et évidemment antispécisme également. Voilà, donc une belle programme au Café de la Gare, où il n'y en aura pas deux, pareil. Qu'est-ce que je bosse et puis, la tournée continue, et il y aura d'autres dates de ci, de là, un peu partout en France, en région parisienne. Demain, par exemple, je serai à Strasbourg. La semaine prochaine, je serai à Marseille. J'ai d'autres dates ensuite à Urugne. Enfin bon, voilà, je vais me balader. Et vous pouvez retrouver tout ça sur ma rubrique agenda sur mon site internet tiffaine-du6d.com. Merci et très belle soirée. À bientôt. Et puis, si vous avez aimé la pièce, n'hésitez pas à la dire sur les réseaux sociaux, sur les billetteries en ligne, à vos amis. Ça sert énormément.